Voilà, quelle longueur de balle, quelle frappe. Énormément de pêche hein, au coup droit. Et un ace, le huitième pour Paul-Henri Mathieu. Il égalise à deux partout. Ouais, c'est parfait, superbe enchaînement à 30 partout alors qu'il était un petit peu sous pression hein, sur son service. Paul-Henri Mathieu a réussi un très bel enchaînement. Très souvent, ouais, quand la balle prend la ligne, il y a un petit peu de cré qui reste sur la balle. Ouh. Ok, il est beau. En fait, ouais, il peut lever le point, Paul-Henri Mathieu, car ce coup droit, ce lob était pas facile à réaliser, mais il l'a bien giflé, elle est retombée. Parfait, beaucoup de sécurité. Et jeu, Paul-Henri Mathieu, 4 partout. Oh là là. Il y a tout son corps, hein, toute son énergie dans ce dernier revers. On ne peut pas dire que De Becker a s'est économisé depuis le début du tournoi. Ah, il est plein contre-pied sur cette montée au filet. Et ça reste dans le filet. Et Paul-Henri Mathieu qui vient chercher ce deuxième set au filet avec toute cette détermination. Le Français qui remporte cette deuxième manche au tie-break. Ah, c'est parfait, regardez une nouvelle fois hein, Paul-Henri Mathieu qui joue à l'intérieur du terrain, qui ne recule pas. Ah, il est pas très bien touché. Oh, il est dessus, quelle défense! Ouais, c'est parfait. Superbe enchaînement. Ouais. Qu'est-ce que c'est bien amené une fois de plus. Il fait son travail du fond. Il peut très facilement revenir dans les 20 avec un niveau pareil. Ouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette volée de fond de court. Oh là là. Oh, quelle volée. Incroyable. Incroyable cette volée. Allez, ça part de là. Le break dans le troisième. Vous êtes devant, Julien. Ouf. On a douté un petit moment. Je vous ai vu douter. Parce que d'assister à un troisième tie-break hein, dans cette partie. Oh, quel coup droit. Ouh là là là, qu'est-ce que c'est parti vite. Ouais, c'est parfait dans le contre-pied, quelle attitude. Et oui, il se tape le point sur le cœur rageur là, Paul-Henri Mathieu. C'est bien fait ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Quel niveau de jeu. C'est bien ce que fait Paul-Henri Mathieu parce que sur les points importants, il est costaud le Français et il s'offre maintenant une balle de match sur son service. Un plat au thé. Mais non, ça sera un ace slice. Il a raison. C'est son 14e ace et il s'offre une deuxième balle de match. Mais cette fois-ci, ça sera sur le service de Timo De Becker. Oh, c'est bien ce qu'il fait. Il est costaud, hein, vraiment. Montré, parce que... Monté à contre-temps après une bonne première. Et Timo De Becker qui revient dans cette partie. Il remporte cette troisième manche au tie-break. 10 points à 8. Ouais, très bien touché. Ce petit coup droit croisé avec beaucoup d'effet.
Ouais, c'est bien effectué. Beaucoup de longueur hein, sur ses coups droits. Et derrière, il arrive à très très bien maîtriser hein, cette petite zone court croisée, liftée. Et un ace. 40-0. Le 15e pour Paul-Henri Mathieu. Et jeu Paul-Henri Mathieu. Juste la pression. Ouais, super. Quelle ouais, parfait. Je croyais qu'il allait pas l'avoir, hein, Timo De Becker, ce retour. Il s'est jeté comme un mort de faim dans cette demi-volée. Ah, c'est incroyable, ouais. 13-13. Et derrière, hein, toute la lucidité de Paul-Henri qui arrive à bien ajuster son coup droit. Mais ça. Ouais, il est dessus, c'est bien. Et c'est une balle de break, la première dans cette quatrième manche. Contre-temps. Oh, ouais, c'est parfait, c'est bien. Il a pris son temps pour ajuster ce coup droit et il le fait, oui, ce geste. C'est au mental que ça va se gagner cette partie. C'est bien ce que fait Paul-Henri Mathieu. Il est costaud mentalement, le Français. Il fait le break après 3 heures et 3 minutes de jeu. Et c'est fait sur ce contre-pied. Paul-Henri Mathieu qui, après avoir battu Mireille Liouzny hier, confirme ici en 16e de finale face à Timo De Becker. Victoire en 4 manches, 7-6, 7-6, 6-7, 6-4. Très belle victoire, hein, Julien, de Paul-Henri Mathieu qui a montré vraiment de très belles choses et notamment une combativité à toute épreuve. Il a été vers l'avant, il a joué en montant, en filant, en étant agressif. Il n'a pas douté, il avait son schéma tactique en place et il a vraiment été impressionnant face à un très bon Timo De Becker. Ouais. Il sera dessus encore. Ah, bien vigilant l'Apollo. Il est vigilant en effet. Ligne. Il joue fort, hein, Nadal. Hein. Il laisse pas Apollo la possibilité de dominer les échanges. C'est lui vraiment en patron qui essaie de faire la différence en premier. Ça va vite, ça joue très très vite. Hein. Ça cogne des deux côtés. Ouais, mais il est un petit peu trop en cadence, je trouve. Ouais. C'est le problème. Ah oui, ça c'est bien ça. Mathieu. Voilà. Allez, faut l'enfoncer. Ouh, bien, bravo Polo. Oui. Bien vigilant et balle de break effacée encore. C'est remarquablement bien. C'est plus comme ouais, ça que c'est, ça doit être intéressant. Allez, prendre une raquette. Il a déjà une deuxième balle de break à affronter pour Paul-Henri Mathieu. Oui. Bing, bien, voilà. Bravo. Il est allé très très vite au niveau des jambes là. Et en plus il était obligé là de tenter un coup gagnant. Et après c'est difficile de revenir dans le terrain s'il fait uniquement une remise. Et ce coup là, slicé de Nadal qui prend un effet extérieur vraiment qui frappe le sol, va dans le couloir. Bien joué là de la part de Polo. Oh, c'est dommage, c'est magnifique. C'est un bon retour pourtant. C'est un bon retour, mais là en l'occurrence le deuxième coup de raquette de Rafael Nadal a fait la différence. Voilà, ça c'est parfait. Et il est 1m50 à l'intérieur du court hein, pour jouer ce coup droit Paul-Henri Mathieu.
chercher dans la diagonale. Et après le rebond pour la Mathieu qui a marqué le coup encore, hein, baissant la tête. Balle de double break en faveur de l'Espagnol. Qu'est-ce qui part ce revers aujourd'hui? Il n'est plus vraiment, je pense, pour Paul-Henri Mathieu. Oh, c'est joli ça. Forty, 15.